Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de votre présence, Monsieur Clement et Baird. J'aimerais juste faire un résumé de la situation présentement ici. On a fait souvent mention des 32 projets. L'AVIF 4 Général a eu la chance de passer à travers les 32 projets. Ce qui nous préoccupe ici, c'est le fait qu'il y a 50 millions qui avaient été approuvés par le Parlement dans un fonds d'infrastructure des frontières qui a été transféré pour le fonds d'infrastructure du G8 sans l'accord du Parlement ou sans même que le Parlement soit avisé. Et qu'au bout du compte, on crée un groupe qui s'appelle le Local Area Leadership Group qui est composé de M. Clement, du maire de Huntsville et du directeur général de l'hôtel, et où le groupe en question décide entre eux comment ils vont se diviser les 50 millions. C'est ça qui est à la base du problème. On parle des 242 projets, c'est ce qui me préoccupe présentement. J'aimerais vous parler d'une conclusion du vérificateur général qui me préoccupe particulièrement et qui a dit qu'il a demandé au bureau de gestion des sommets de fournir toute documentation indiquant comment le bureau a été impliqué dans l'examen ou la sélection des projets. On nous a affirmé, le vérificateur général, que le bureau n'avait pas été impliqué dans l'examen ou la sélection des 242 projets, mais qu'il avait tenu des séances d'information pour les communautés locales sur le sommet du G8. Quand on regarde les comptes rendus qu'on a obtenus, les procès-verbaux, on a entre autres la présence de M. Gérald Cossette, qui était le responsable de l'agence du bureau, que le bureau de gestion des sommets, qui est également sous-ministre adjoint pour les affaires étrangères. Je présume que le vérificateur général lui a parlé. Je présume qu'il a parlé également avec d'autres responsables. Il n'y a pas eu de réponse de la part de ces gens-là qui est impliqué dans le processus parce que nos courriels nous disent qu'il a été impliqué. Alors, est-ce que les affaires étrangères ou le bureau de gestion des sommets a induit la vérificatrice générale en erreur? I think we'll probably leave it to an official to answer that, but let me just make it clear, I was not involved in the Border Infrastructure Fund issue, nor was I involved in, in project selection. Mm-hmm. I appreciate your question. I want to be very, very clear. I presented estimates for my department, for Infrastructure Canada, before Parliament. I'm accountable for that. Mm-hmm. I was advised and recommended by my officials to use the Border Infrastructure Fund as a vehicle with which we could move expeditiously to get these programs funded. Most of the infrastructure programs are done over 7 years. All the other stimulus were done over two. This we had 15 months from start to finish, so we had to move expeditiously. It was done at a recommendation from the public service. Having said that, we topped the fund up by $50 million. I think the Auditor General's recommendation and observation is fair, that we could have put in those estimates that the money was $50 million of it was potentially going towards the GA. Ce que je fais ici, c'est une mise en contexte. J'aimerais que vous me parliez de M. Cossette et de son rôle comme responsable du Bureau de gestion des sommets, alors que la vérificatrice générale n'a pas été en mesure d'avoir de l'information. On leur a dit que les hauts responsables n'étaient pas impliqués. M. Cossette faisait partie intégrale comme membre du groupe. Juste pour reprendre un peu ce que M. Clément disait, ce groupe-là n'avait pas de rôle décisionnel. M. Cossette était là pour animer et contribuer aux délibérations afin que les gens du coin soient au courant de ce qui se passait. Mais ce groupe-là n'avait pas un rôle décisionnel à l'égard des projets. Qui était le groupe décisionnel pour passer de 242 projets à 33 projets, si le Local Area Leadership Group ne l'était pas? No. They were not a decision-making group for whittling down from 242 to 33. I've made clear that it was the responsibility of each individual municipality to come forward with their best projects. That was over a period of time as we were deciding on projects. They knew that the fund was getting smaller, and that would concentrate their minds a little bit as well. So the fact of the matter is that there was no. I know there's this mythology that. As it was put rather interestingly during the election campaign, that I was at a bar somewhere in Muskoka with two other guys making the decisions. That's just a myth. It never happened that way. We were not involved in selecting the project. Encore une fois, je veux comprendre. Vous dites aux gens 50 millions, vous pouvez vous le partager. Il y a 242 projets. Il existe quelque chose qui s'appelle le Local Area Leadership Group. Et ça passe de 242 à 33 projets, puis il n'y a personne qui a vraiment été impliqué là-dedans. Let me just make it clear again. The Local Area Leadership Group was there to flow information back and forth between the organizers of the summit on issues like security, issues like crowd management, issues like road closures, issues like the community involvement, those kinds of things. They did discuss
projects, but they never concluded on projects, nor did they submit their project selections or their project proposals to that group. It was not for that purpose at all. It was an exchange of information. Thank you. No, sorry, the time has expired.